Karine Boy, 1900-1941, Le Bourgeon. Certes, cela fait mal quand les bourgeons éclatent. Aussi n'est-il printemps qui n'hésite à fleurir. Aussi s'enlisent-ils tous nos brûlants désirs dans les marais glacées de la pâle amertume. Le bourgeon, tout l'hiver dans sa gaine, a dormi. Qu'est-ce donc qui l'éveille? Et pour le torturer? Certes, cela fait mal quand les bourgeons éclatent. Mal à ce qui s'ouvre et ce qui va se fermer. Pour les gouttes de sève, il est dur de tomber. Elles tremblent d'angoisse et pendent lourdement, s'agrippent à la branche et se gonflent et glissent. Leur poids les tire au sol. Rien ne peut les sauver. Il est dur, certes, d'être indécis, hésitant, de sentir que la terre appelle et cependant de demeurer sur la place à seulement trembler. Dur de vouloir rester et de vouloir tomber. Mais alors, au plus fort d'une telle souffrance, tous les bourgeons de l'arbre éclatent à la fois comme un chant d'allégresse et les gouttes de sève tombent des branches et miroitent au soleil, oubliant aussitôt qu'elles avaient tremblé d'affronter un sort neuf et chargé de mystère. Elles vont se détendre et connaître, apaiser cet espoir confiant dont est fait l'univers.